Je veux que tu utilises tes propres paroles ce matin pour parler à Dieu. Utilise tes propres paroles ce matin pour parler à Dieu. Utilise tes propres paroles. Tes propres paroles. Oh,
pas raté. Quelqu'un est dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Toi qui es assis, est-ce que tu peux t'élever? Est-ce que tu peux t'élever et acclamer royalement le Seigneur? Nous sommes les dimanches. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être dans la maison du Seigneur? Alors que tu acclames le Seigneur, je vois l'Éternel mettre devant ton chemin en cette semaine des hommes et des femmes qui vont aussi t'acclamer. Ah, Ozobeta Maboko Biente. Même toi qui es à la maison, tu es connecté. Est-ce que tu peux acclamer royalement le Seigneur? Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons reprendre nos places, bien-aimés? Pendant que tu reprends ta place, tu peux dire à ton voisin, à ta voisine, Shalom. Fais-le bien. Tu es en train de sourire, tu dis Shalom. Alors voici les annonces de la semaine. On nous informe déjà qu'aujourd'hui, dimanche, le 19 novembre 2023, nous avons notre prophétique Sunday. Aujourd'hui, avec comme orateur
le pasteur Daniel Kembolo qui va vraiment apporter la parole du Seigneur. Tu fais bien d'acclamer royalement le Seigneur. C'est un homme de Dieu puissant et nous croyons que notre Dieu, le Dieu de notre Père, va passer par lui pour nous bénir. Et on nous informe que le mardi, de 17h à 19h30, il y a école de réveil et de l'esprit. Toi, tu nous suis, tu as l'habitude de venir à l'église qui est le dimanche. Il y a aussi mardi, on a culte ici. Le mercredi, il y a culte de papa à partir de 17h. Le jeudi, il y a culte des mamans à 17h30. Et le vendredi, nous avons notre culte de délivrance et de préservation des familles. De 16h30 à 20h. Et le samedi, on a culte de jeûne à partir de 17h. Et cette semaine, on nous informe qu'il y a réception pastorale. Le lundi, le pasteur Trésor Moïse reçoit. Le mercredi, le pasteur Paul Mwamba reçoit. Ainsi que le jeudi, le pasteur Ben Eyekola. Alors, on nous informe déjà que le mois d'octobre, le mois de novembre et le mois de décembre ont été décrétés comme étant les trimestres du temple. Tu es ici, tu dois savoir que le mois d'octobre, novembre et décembre, l'église porte de cieux. Nous avons comme thème les mois du temple. Tu dois prendre l'engagement de faire quelque chose pour la maison du Seigneur. C'est très important. Voilà pourquoi on travaille par rapport à la croissance. Nous travaillons par rapport à tout ça. Et le trimestre est vraiment tourné vers la maison du Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Les ministères de formation informe qu'il y a une méga célébration des baptêmes et des collations des fils et des filles du prophète Joël, troisième session à la fin de cette année. Je crois avant le 31 déjà, il y aura cette méga célébration. Et les cours sont en cours, permettez-nous la tautologie. Chaque lundi à partir de 16h30, voir le pasteur Mike ou le frère Glodingoï pour l'enregistrement. Et il y a un programme spécial des études et des partages bibliques ici à l'église, chaque lundi de 17h à 19h. Notez bien, la porte est grandement ouverte pour tout ouvrier ou membre qui voudra bien y participer. Les ministères des femmes et des filles informent que chaque lundi, de 23h45 à 0h45, il y a un moment de prière dénommé la nuit de décret. Ce programme est diffusé en direct sur Power Channel et sur la page YouTube Prophète Joël Francis Tatou TV. Les ministères d'implantation et de gestion des cellules informent à l'église qu'il y a prière à la cellule de Limété, 13e rue, côté résidentiel, chaque lundi de 18h à 19h. Il y a des moments de prière et d'intercession à la cellule. Et le ministère informe que toute personne qui est à la Tchangou et qui veut donner sa parcelle pour que sa parcelle devienne un noyau où nous allons implanter une cellule. Et cette personne est priée de voir à la fin du culte le frère René pour l'enregistrement. Et le ministère informe déjà que dans le prochain jour, il y aura la cellule de Pascal à la Tchangou. Il y a une maman de l'église qui a déjà accepté de donner sa parcelle pour que sa parcelle devienne un noyau, une cellule de l'église. Je pensais que tu allais acclamer. L'administration nous informe qu'il y aura une sortie évangélique de toute l'église le samedi 26 novembre 2023 à partir de 12h. Tous les ouvriers sont appelés à y participer. Il y a une sortie évangélique de tout le monde. Tous les ouvriers, toute l'église. Que tu sois ouvrier, ministre ou pasteur ou membre simple, les samedis 26 novembre à partir de 12h, il y a sortie évangélique. Amen, amen. Du 30 novembre au 1er décembre 2023, il y a ce que nous appelons ici un programme spécial de prière dénommé 8 heures de prière non-stop. 8 heures de prière non-stop. 8 heures dans la présence de Dieu. En train de prier. Et ça sera le 30 novembre et le 1er décembre à partir de 10h. Le thème c'est « Je ne suis pas d'accord ». Dis à ton voisin « Je ne suis pas d'accord ».
Ah bon, moi j'ai dit à mon voisin, pasteur Daniel, je ne suis pas d'accord. Amen, amen. Alors, il y aura comme orateur le pasteur Yves Mouekassa, le prophète David Kainos, le pasteur Jonathan Kahambo, le prophète Ezekiel Sakinka, ainsi que le pasteur Lems Landa. Les lieux, c'est ici exactement, à l'église des portes de cieux, Limité à Kinshasa. Amen, amen. Amen, amen. On nous informe aussi que le 31 décembre, ici, à Limité 10e rue, ça ne sera pas à l'église, mais ça sera au niveau du petit boulevard. Il y aura ce qu'on appelle la nuit de la traversée. Méga réveillon prophétique 2023-2024. Ah, tu as bien fait d'acclamer le Seigneur. Donc, au Katissa 2024, na grande veillée. En tout cas, Kozang Anayote. Tu es à Kinshasa, à Brazzaville et les environs. Le 31 décembre, nous sommes au petit boulevard. On va louer le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Et Anouka 2024 arrive. 40 jours de jeûne et prière. Anouka 2024 arrive. Du 24 janvier 2023 et du 24 janvier 2024 au 3 mars 2024. Alléluia. Ne manque pas à ce programme. C'est le plus grand programme de la francophonie de toute l'année. Anouka 2024. Et on nous informe ici. Pour renforcer la sécurité à l'église, il y a quelques mesures qui seront appliquées déjà à partir de la semaine prochaine. Donc, veuillez faciliter aux gardiens la tâche. Il y aura des mesures de sécurité qui seront appliquées à l'église. Il y aura des macarons, il y aura beaucoup de choses qui seront modifiées. Alors, l'administration nous informe que nous devons faciliter la tâche à nos bien-aimés qui travaillent à la sécurité. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je ne demande pas d'acclamer le pasteur Ramazani. Tu es en train d'acclamer le roi des rois. Tu es en train d'acclamer le tout-puissant. Tu es en train d'acclamer celui qui dit une parole. Il n'a pas besoin de répéter la parole pour que la chose s'accomplisse. Quand il dit c'est fait, c'est fait. Quand il dit ce n'est pas fait, ce n'est pas fait. Et je crois que dans ta vie, le Dieu qui a dit c'est fait, il ne va pas répéter la parole de ce fait tant que toi... Oh, je disais ceci. Le Dieu qui a dit c'est fait dans ta vie, aucune personne ne viendra contredire la parole que Dieu a dite sur toi. Je disais ceci. Aucun homme, aucune femme, aucune entité spirituelle née d'un homme ou d'une femme ne viendra contredire la parole de l'Éternel. Il est écrit dans Hébreux chapitre 13, le 8e verset. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aucune circonstance n'a la capacité de changer cette chose. Ah! Alléluia. Prends ta Bible avec moi dans le livre de 1 Roi chapitre 17. Je lis à partir du premier verset et puis on va descendre. 1 Roi chapitre 17. Je lis à partir du verset 8. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Verset 9. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Verset 10. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, « Va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla chercher de l'eau. Il appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. » Écoute la parole de Dieu. Verset 12, la Bible dit, « Elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant. » Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi
et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Verset 14. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Alléluia. Ici, nous venons de lire l'histoire du prophète Élie le Tishbite qui a quitté le torrent de Guérite. Il a été nourri par Dieu dans le torrent. La Bible dit que l'Éternel envoyait les corbeaux venir nourrir son serviteur. Alléluia. L'Éternel était capable de nourrir et de prendre soin de son serviteur d'une manière ou d'une autre. Il a nourri Élie, le prophète, au torrent de Guérite. Il envoyait même le corbeau avec la viande, avec le pain pour nourrir son serviteur. Mais la Bible nous dit ici que l'Éternel dit à l'homme de Dieu, va à Sarepta. Quand tu vas arriver à Sarepta, j'ai déjà ordonné à une femme qui est veuve de te nourrir. Alléluia. Mais quand tu lis la Bible, tu ne vois pas à quel moment l'Éternel avait parlé à la veuve de Sarepta. Tu ne vois pas à quel moment la veuve de Sarepta a prié et entendu l'instruction de l'Éternel. Tu ne vois pas ça. Élie quitte le torrent de Guérite et il alla à Sarepta. Juste à l'entrée de la ville, bien-aimé, la Bible dit qu'Élie a rencontré une femme qui était veuve. Et la femme en question, elle ramassait le bois. Pourquoi? Pour aller cuire la dernière farine avec le dernier point d'huile qui était dans sa maison. Elle allait manger, elle et son fils, et ils allaient mourir. Et Élie dit à la femme, avant que tu n'ailles faire les gâteaux pour toi et ton fils, avec la farine et l'huile que tu as, donne-moi d'abord le pain. Donne-moi d'abord, je vais en manger. Et après quoi, tu feras aussi pour toi. Mais avant que Élie ne dise ça, bien-aimé, la femme a dit au prophète Élie, je n'ai pas beaucoup d'huile, je n'ai pas beaucoup de farine. Ce que j'ai, c'est exactement pour moi et mon fils. Lorsque nous allons manger, nous allons mourir. C'est la farine et l'huile de la mort. Et le prophète Élie n'a pas eu pitié de la femme. Le prophète Élie n'a pas eu compassion de la femme. Pourquoi? Parce que le prophète Élie savait, le jour où il est entré dans la ville, avant d'entrer dans la maison de la veuve de Sarepta, il était venu en mission. Il était venu en mission, il a été délégué par Dieu pour non pas apporter la mort dans la maison de la veuve de Sarepta, mais pour apporter la prolongation, pour apporter la prospérité. Voilà pourquoi le prophète Élie n'a pas cédé aux caprices de la veuve. Mais j'ai aimé l'attitude de la veuve. La veuve non plus n'a pas eu pitié de son fils. Pendant que le prophète parlait avec la veuve, le fils n'était pas là. La maman a sacrifié l'avenir de son enfant parce qu'elle a accepté de prioriser d'abord la demande de l'Éternel. Ce matin, je vais être bref en disant à une personne qui est ici, il se peut que dans ta maison, dans ton compte en banque, tu n'as que le dollar là, tu n'as que ces francs congolais qui te restent pour payer ton loyer ou carrément pour assurer les derniers trimestres de l'année 2023. Mais j'aimerais te dire ce matin que l'Éternel a besoin de cette offrande-là. L'Éternel a besoin de cette farine-là et de cette huile pour accomplir pour toi ce qui doit arriver dans la suite. Alléluia. Avant ce verset bien-aimé, la Bible nous a montré comment est-ce que l'Éternel a pris en charge Élie. Élie était dans le torrent de Guérite. Il était nourri par l'Éternel.
Ça veut dire qu'à part la veuve de Sarepta, l'Éternel était capable de nourrir son serviteur d'une manière ou d'une autre. Mais lorsque l'Éternel est allé à Sarepta, c'était une ville, et à Sarepta, il y avait beaucoup de maisons. L'Éternel est allé seulement dans la maison de cette veuve. Pourquoi? Parce que le Seigneur voulait arrêter la mort qui toquait déjà à la porte de cette veuve de Sarepta. Ce matin, j'aimerais qu'à partir de ton offrande, que tu arrêtes un système dans ta maison. J'aimerais qu'à partir de ton offrande, que tu arrêtes un système dans ta famille. Nous sommes ici. Nous sommes dans le mois d'octobre, qui est un trimestre du temple. Tu peux prendre l'engagement, tu te dis non, non. Aujourd'hui, je ne donne pas mon offrande comme d'habitude. Je vais donner à mon Dieu ce qui a de la valeur. Je vais donner à mon Créateur ce qui va me coûter le plus cher. Alléluia. Le prophète a demandé à la femme, fais d'abord pour moi. Et ensuite, tu feras pour toi et la fille. Mais j'ai un problème. Pasteur Daniel, j'ai un problème. Le prophète Élie, tu es en face de la veuve. La veuve te dit, la mesure de la farine que j'ai, ça va suffire seulement pour moi et mon fils. Quand on finit de manger, on va mourir. Mais le prophète lui dit, fais exactement comme tu as dit. Mais prépare d'abord pour moi. Quand tu vas finir, tu prépareras aussi pour ton fils et pour toi-même. Prophète, mais tu ne comprends pas. Je t'ai dit que la farine n'est pas suffisante. Le prophète travaille dans les mathématiques de Dieu. Dieu n'est pas dans la logique des hommes. Là où toi tu vois un problème, Dieu voit non pas la solution, mais Dieu voit la source du... J'ai dit ceci. Là où toi tu vois un problème, Dieu ne voit pas que la solution. Dieu te voit toi comme étant la source de, la source de la solution de ces problèmes, mais aussi la source des solutions d'autres problèmes qui pouvaient venir. Voilà pourquoi ce matin, je crois qu'au travers de ton offrande, tu seras en train de résoudre des problèmes qui ne sont même pas encore venus dans ta maison. Alléluia. Des problèmes qui ne sont même pas encore venus dans ta maison. Je ne sais pas s'il y a les enveloppes ici, les protocoles peuvent m'aider. Avant de passer avec les offrandes, tu es ici. Notre Père, depuis le mois d'octobre, a dit ceci. Octobre, novembre, décembre. C'est le mois du temple. Papa est en train de prêcher. Les hommes de Dieu, le pasteur Dani, le pasteur Daniel, tout le monde ici, nous parlons. Nous prêchons par rapport à ça. Tu t'es dit, qu'est-ce que je dois exactement faire pour Dieu, pour la maison de Dieu? Tu vas prendre une enveloppe ici, qui n'est pas ton offrande, hein, qui n'est pas l'offrande de dimanche. Mais tu t'es dit, cette enveloppe, c'est l'offrande du temple. Je vais acheter un baffle pour l'église. Je vais acheter les ampoules pour l'église. Je vais prendre un micro pour l'église. Je ne sais pas si on peut nous apporter les enveloppes. Que tu prennes une enveloppe ce matin. Prends une enveloppe ou prends un engagement. Nous sommes au mois du temple qui a commencé depuis le mois d'octobre. Novembre prend à sa fin. Et d'ici là, on va entrer au mois de décembre. Le père de la maison, qui est un prophète, a dit le dernier trimestre de l'année, c'est un trimestre du temple. Tu ne peux pas passer à côté de cette bénédiction. Et avant cela, notre Père a prêché par rapport au vœu. Fais un vœu à Dieu. Prends un engagement. Tu regardes la maison de Dieu. Tu dis non. Pasteur Dani Niembwe, c'est moi ici. C'est moi qui va payer les loyers pour l'église. C'est combien vous payez les loyers? Je prends l'engagement de payer les loyers pour l'église. Comme notre Père a dit, c'est le mois du temple. Moi, j'achète les micros. J'échange de lampes. J'achète 50 chaises pour l'église. C'est mon engagement. Tu es là. Je ne vais pas te donner un montant. Et ce matin, je ne fais pas un appel. Mais là où tu es, donne-moi juste 3 enveloppes. 3 d'abord. 3 enveloppes. Merci, pasteur. Viens prendre ton enveloppe. Merci, servant de Dieu. Viens prendre ton enveloppe. Tu es là.
Dieu a toujours attendu cette opportunité. L'Éternel vient frapper à tes oreilles. Donnez-moi, moi-même, je vais donner à toutes ces personnes qui veulent prendre un engagement pour le temple. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu t'es dit que non, 2023 ne peut pas finir comme ça. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Apporte-moi les offrandes. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Même toi, tu es en ligne. Jeune 3. Ok. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Prends un engagement ce matin. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Donnez-moi les enveloppes. Ah, que Dieu bénisse la porte des cieux. Que Dieu bénisse tous ces hommes et ces femmes, même en ligne, qui envoient leurs offrandes. Que Dieu te bénisse. 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 J'aimerais dire à une personne que tu n'es pas en train de jeter. Tu es en train de l'éternel. Que quelqu'un sera ici. En train d'écouter les sons des orateurs, des musiciens par rapport au micro que toi tu as acheté. J'aimerais te dire que ta voix, ta prière sera instantanément entendue dans le conseil. Pasteur Daniel, cette semaine, quelqu'un a dit, si ça ne marche pas, change la méthode, mais ne change pas d'objectif. Amen, amen. Toi, tu attends la bénédiction, mais tu marches toujours de la même manière. Change la méthode. Nous sommes au mois du temple. Tu te dis, non, pasteur Dani, je vais changer la moquette de l'église. Parce qu'après recharge, je pense que je ne veux plus voir cette moquette. Tu es en ligne, tu peux le faire. Tu es ici, tu peux le faire. Alléluia. Est-ce qu'on peut nous apporter les paniers, s'il vous plaît? J'aimerais que là où tu es, tu prends une offrande qui ne va pas toucher le cœur de Dieu. Ce matin, on ne va pas toucher le cœur de Dieu. Ce matin, que ton offrande bouge ta foi. Amen. Que ton offrande bouge ta personnalité. Tu te dis, je vais rentrer à pied ce matin. Lève-toi avec ton offrande. On va prier. Lève-toi, lève-toi. On va prier. Lève-toi avec ton enveloppe, avec ton offrande. Je vais déclarer une parole sur ton offrande. Lève-toi. Que toute l'église se mette debout. Prends une offrande qui va bouger ta foi. Prends une offrande qui va déranger vraiment les habitudes que tu avais. Père, dans le nom de Jésus, je lève ma voix en tant que pasteur et fils de prophète. Sur l'autel de mon Père, alors que tes enfants apprête ou s'apprête à apporter dans ces paniers leurs offrandes. Je prie dans le nom de Jésus que ces offrandes parlent pour eux, que ces offrandes combattent pour eux dans le nom puissant de Jésus. Approche-toi avec ton offrande. Et j'aimerais préciser que les enveloppes que vous avez reçues, vous avez la semaine prochaine pour les ramener. Le mardi, le vendredi et le dimanche. Là où tu es, tu as pris un engagement, tu es en ligne. Tu t'es dit, le mois du temple ne peut pas finir comme ça. Je prends l'engagement d'acheter 100 chaises pour l'église. Je prends l'engagement de faire quelque chose pour la maison de mon Dieu. Alors, il y a les coordonnées de l'église qui sont là. Et faites attention. Le prophète Joël n'appelle pas les gens en ligne pour une offrande. Il y a des numéros qui sont affichés au bas de votre écran. Il y a un code QR qui est là. Passez par ces voies logiques et légales pour atteindre l'église porte de cieux. Que Dieu nous bénisse. Alors que tu acclames le Seigneur, que Dieu te bénisse abondamment. Alors que tu acclames le Seigneur, que Dieu te bénisse abondamment.
Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, est-ce qu'on peut donner à Dieu une offrande d'acclamation encore une fois ce matin? Est-ce qu'on peut célébrer Dieu par nos acclamations? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à se tenir sur ses deux pieds et on va acclamer le roi de gloire? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus royalement? Est-ce qu'on peut l'acclamer dignement? Dignement. Acclamons, tu peux pousser des cris de joie. J'aimerais bien entendre des cris de joie ce matin. Est-ce qu'on peut entendre des cris de joie? Est-ce qu'on peut entendre des cris de joie? Est-ce qu'on peut entendre des cris de joie? On va dire ça ce matin. Il est le Dieu de miracles. Est-ce que tu peux le faire? On y va. Allez, allez. Beta, ma boko. Beta, ma boko. Beta, ma boko. Est-ce que mon tomako mette la Yesu mololo, mololo, mololo? Est-ce qu'on mette la Yesu mololo? C'est ça. Ah, oh, il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Oh oui, il est le Dieu de sauva Daniel de la fosse au lion, il sauva Jonas du poisson géant, il ressuscita Lazare de la mort. Yeah. Il est le Dieu de miracles. Oh oui, il sauva Daniel de la fosse au lion, il sauva Jonas du poisson géant, il ressuscita Lazare de la mort. Yokuma malelo yo ah eh 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 awinanga elonge salie yo yokuma malelo yo ah yo yo kuma malelo yo ah eh eh we langa elonge salia yo c'est ça malelo yo ah on va dire ça ah oh oui akuma ma yesu akuma ma e na bomoi na nga akuma ba yesu akuma ma e na bomoi na nga tiloko oh oui akumama Yesu akumama e na bomoi na nga akumama Yesu e akumama Yesu akumama e c'est ça na bomoi na nga. Est-ce que tu peux m'aider à le faire avec tes mains? On y va, mettons ma boue, on y va. Oso beta bien, oso beta bien. On va coller ici. Oh akumama Yesu akumama e na bomoi na nga akumama Yesu e akumama Yesu akumama e na bomoi na nga akumama kolo yebela ma Yesu yebela ma e na motema na nga yebela ma Yesu e yebela ma Yesu yebela ma e na bomoi na nga yebela ma kolo yebela ma Yesu yebela ma e na motema na nga yebela ma Yesu yebela ma Yesu yebela ma e na bomoi na nga yebela ma kolo yebela ma Yesu yebela ma e na motema na nga yebela ma Yesu yebela ma Yesu yebela ma e na motema na nga yebela ma. Oh oui, yebela ma, Yesu yebela ma e, na motema na nga, yebela ma Yesu e. Yebela ma, Yesu yebela ma e, na motema na nga, yebela ma. Bo
moinanga esimba minese kopona mokonzi monene mokeli nanga antika kembo pona koloko tanga na bitumba makasi bitumba molimo makila na yende temwe oniba kolo yesuwe mwana na nsambe kolo yesuwe mwana na nsambe na benga yo nsambe kolo yesuwe na betele mololo kolo yesuwe diloko kolo yesuwe kolo yesuwe kolo yesuwe kolo yesuwe kolo yesuwe kolo yesuwe na betele mololo kolo yesuwe na betele mololo kolo yesuwe otika ke mboni osowe oni ma kokufa o wana yendo kokufa na koko na mololi mbula salini osowe afungoli ngamiso akalisi na bolengu nanga alobi na kokwea kasi kolo yesuwe osiminga makasi olobi na kokota nga na kokota na kokota na kana na ngai mboka ya pombese na kosimba mwana lokola ana simba samwele kolo yesuwe 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 ona bondela kombo ninye zamba bika mwana nge Ona bondela kombo na nye soki kombo ya Yesu te Hosane Hosana wani wa kuimbila wewa 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 Wakwimbila wewa Wakwimbila wewa Wakwimbila wewa
va, bête en bien. On y va, on y va. Wakui bilan we wa. Wakui. Oza bête en bien. Mati sango litsu, mati sango. Mati sango, mati sango, mati sango. C'est ça. Mati sango, eh mata, eh mata. Mati sango. Ah. Eh mata. Eh mata litsu. On y va, on y va. Mati sango, juste nos mains, juste nos mains, juste nos mains. On y va. Betango, 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 betango bien. Matissa, juste nos mains, juste nos mains. Ils ont mata, ils ont mata, ils ont mata. Juste nos mains, Matissa, Matissa. Matissa, Matissa. Matissa, Matissa. Matissa, Matissa. Eh mata, eh mata, eh mata. Ils ont mata. Eh mata. Matissa, juste nos mains, juste nos mains. Est-ce que la musique peut arrêter un peu tout le monde? J'aimerais qu'on le fasse juste avec nos mains. Nous sommes betango na mabo wangomba. Eh mata, on y va, on y va. Ah, Matissa, Matissa, Matissa. Ah, oh oui. Tika lola ya kofungwa ma. Iye, ye, ye, ye. Tika lola ya kofungwa. Iye, ye, ye, ye. Tika lola ya kofungwa ma. Ah, tika lola ya kofungwa ma. Tika lola ya kofungwa ma. Tika lola ya kofungwa ma. Attends, 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 attends. Sans musique. Sans musique. Ce matin, j'aimerais qu'on fasse comme si il n'y avait pas la musique. On va faire sa musique juste avec nos mains. Est-ce que Moutimou Raza Moli Mwangomba na Tongwa? Est-ce que Moutimou Raza Moli Mwangomba na Tongwa? Na zo lingobi misa. Moli Mwangengenge, Moli Mwaluzizi la wana. Est-ce qu'on voit Tivango na Tongwa? Est-ce qu'avec nos mains on peut aller? Maboko, 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 on y va. Maboko, Maboko, ah, Maboko, Matissa Yango, Matissa Yango. Sans musique, sans musique, sans musique. Juste nos mains, juste nos mains. Ah, oh, Baba Oama Omiye, Iye, Sugale. Ah, oh, Baba Oama Omiye, ah, Sugale. On y va encore. Baba Oama Omiye. Ah, oh oui, sugale. Ah, oh, tika lola ya kofungwama. Tika lola ya kofungwama. Tilako, oh tika lola ya kofungwama. Tika lola ya kofungwama. Ah, oh baba ama obiye. Si tu déchirais, si tu déchirais le sol, 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 si tu déchirais, si tu déchirais le sol. Si tu déchirais, si tu déchirais le sol, 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 encore une fois, si tu déchirais, si tu déchirais le sol, si tu déchirais, si tu déchirais le sol. Quelqu'un peut donner à Dieu une offrande d'acclamation.
Est-ce que tu peux acclamer Jésus mieux que ça? Ah, on va dire ce matin, on va le dire. Oloba kinaba ngate. Oloba kiyoko sakate. Atapaseye nakanisa bilaka. Poyo zamboto te poyo wanganango. Yahweh, yondo sana maloba yabo. Yahweh, yoli siboyeka ukakate. Yahweh, yondo sana maloba yabo. Ukakate Yahweh Yondo sana malo. Est-ce qu'on peut les faire tous ensemble? Yabombo Yahweh Yoliziba Yoliziba Yeka ukakate Yahweh Yahweh Yondo sana Yesu Yondo sana malo Maya Yahweh Yoliziba Yeka ukakate Yahweh Yondoza Yesu Yondoza na maloba ya bombo Yahweh Yahweh Yoliziba Yoliziba Yeka ukakate Yahweh Poyo bongi na ngo lo le fongwa mbya Wona yebela yo Yesu nanga Zembo ya motema Poyo bongi lo le fongwa mbya we Alléluia. 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 Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. La terre tout entière est remplie de sa gloire. Alléluia. Alléluia. Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées. Alléluia. La terre tout entière est remplie de sa gloire. Alléluia. Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées. Alléluia. La terre tout entière est remplie de sa gloire. Alléluia. Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées. Alléluia. La porte des cieux ce matin est remplie de ta gloire. Alléluia. Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées. Alléluia. La porte des cieux ce matin est remplie de ta gloire. Alléluia. Saint, Saint,
Saint est l'Éternel des armées. Alléluia. Ce culte est rempli de ta présence. Alléluia. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. La porte des cieux est remplie de sa gloire. Alléluia. Aimez encore. Alléluia. 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 Sanana kapana la la kapala kala la kakata. Toi qui habites une lumière inaccessible à l'homme. Alléluia. Mais tu as placé la prière comme le pont qui amène les visibles vers l'invisible que tu es. Alléluia. Salahatande atahata atahatando. Latena tata hota tante tatota. Tante atatenta totenta atatota. Ouvre-nous les portes de ta présence, Seigneur. Les atato, ateta, tato, tetekata. Tanetato, tekaten, tetekatan, talakataya. Tanto, le katen, tetekatan, tatato, tatatata. C'est dans le nom de Jésus que nous nous présentons devant les portes de ton palais. Shenanatato, etanatato, tataneta, tatata. Tataratatin, talatatan, tabalakapapa. Salomon a dit, si quelqu'un vient de très loin et qu'il entre dans ce temple et qu'il t'invoque, du haut des cieux exauce cette personne. Alala ta tobenda ta teketa, letentura tinta ta ta katanta baya, sapena te katua te zaba, zabala ta ti avaj sakajka, lia ta nuna jene ataya, laina jena ta doya. Anatena tahata tamaya, namania tanona tayena nahata. Tu es le seul Dieu capable. Amen. Même lorsque ton armée a été dévastée par l'ennemi, tu es capable d'envoyer ton esprit sur la vallée des ossements desséchés. Amen. Ce matin, je prie Dieu que l'esprit de la création vienne en ce lieu. Amen. Sole que tente de cate panama, salada de bodo do do shaya. Les portes de la présence du palais du roi s'ouvrent ce matin. Ça se passe en esprit. Ça se passe en esprit. Shanana mama 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 shanana mama 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 alala baba 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 shanana baba baba. Les portes du sanctuaire de notre Dieu s'ouvrent. Shelelelelele bo shanana mama 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 enana nana nana mama shanana nana mama mama shelelelele shanana nana mama mama. L'Éternel avance au milieu de son peuple. Que les femmes fassent les bikele kele. Que les hommes sifflent à l'honneur de celui qui est en train d'arriver. Shakapa Katakapaya. Dieu des esprits de prophètes. Shadababa baba baba baba. Dieu des esprits de martyrs. Shadababa. Shedede bobo bobo.
Le jour du Seigneur est arrivé. Sakata. Sakata bayakapa. Dieu des intercesseurs. Dieu de la prière. C'est ici la porte de Dieu. Shadana Babosh. Victoire à ton entrée. Que Dieu donne ta victoire. Que Dieu donne la victoire à tes projets. Sanana Makosha. Maman Dani donne le Mikel et Kelé. Dieu donne la victoire à la porte des cieux en cette saison. Shona, je peux voir dans mon esprit les résultats du match être échangé. Et y'a tous les Kanabaya. Et y'en a katale y'a katala baya kapaya. Et y'a. Oula kabouya. Hey. 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 Ouya. Hey. Donnez le biquet et les portes des cieux. Sana ma kapaya. La kapana na ma kapaya. Je peux voir. Dans mon esprit, je peux voir. Eya! 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 Je peux voir! Il a dit aux enfants d'Israël, après avoir tourné Jéricho, poussez des cris, ma
my God, my God, my God, my God. Le Dieu de la maison de Dieu est dans la maison ce matin. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Toi qui es connecté sur Power Channel. Toi qui es connecté sur YouTube. Fais des cris de joie ce matin. Ne regarde pas tes pieds. Ne regarde pas ta poche. Ne regarde pas le congélateur. Ne regarde pas la situation. Pousse un cri. My God, my God, my God, my God. J'ai. Et mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Je vois un esprit. Maître Christian Paul, un dossier qui était à toi. On a voulu changer cela. Alors que tu envoyais les cris, je vois quelqu'un arracher ce dossier et le remettre sur. My God, est-ce que quelqu'un peut recevoir cette prophétie? Par la car. Lia Sopa. Je prophétise ce matin. La victoire. La Bible déclare. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Je prophétise ce matin. Reçois cela. Que celui qui me donne le meilleur des amens reçoit sa part. My God, my God, my God, my God, my God. Pasteur Jonathan, l'échec n'est pas envisageable. L'échec n'est pas une option. Soit on réussit, soit on réussit. Reçois ta part. Kaya. Je me tiens ce matin dans mon office d'intercesseur, dans la chambre des décrets. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Je me sers de l'onction de mon Père spirituel. Je signe les décrets. Article premier est condamné à réussir. Donne-moi ton nom, donne-moi ton nom, donne-moi ton nom. Il n'y a pas de gens prophétiques. Donne-moi ton nom, donne-moi ton nom ce matin. Parole de celui qui se tient dans le sanctuaire. Article premier est condamné à réussir. Donne-moi le nom de tes enfants. Louya Kata. Soyez. Oh. Rakata. Article premier est condamné à réussir. La porte des cieux global. Shakata. My God. My God. Je prophétise ce matin. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Priez. Priez. Battez les mains déclarées. Sur toute forme de maladie. Sur toute forme d'attaque. Tu as la victoire. Maya Kapaya. Eli Kapaya. Sandele Kapaya. Sandele Kapaya. Je prophétise pour toi, femme. Chenele Kapaya. La victoire sur l'esprit de Jézabel qui veut séparer ta relation. Reçois ta part ce matin. Mon Dieu, mon roi. Là où ton père est tombé, ta mère s'est arrêtée, femme. Ce matin, tu es en face d'un fils de prophète. L'onction de Dieu est sur moi et le manteau de mon père est sur moi. Chale kapa, sokala kapaya, senele kapaya, senele kapaya. Bienvenue au bébé qui arrive. Jakapa, sole kapaya, priez. Rateka, sanama kapaya, rika kapaya. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Là où les autels de la maison de ton père est plus fort. Là où les lois de la famille sont plus fort. Le sang de Jésus entre dans la balance. Reçois la victoire. My God, my God, my God.
Dieu est dans la maison ce matin. Shalaka, Rakate, Zamarabaka, Kamonokopaya, Zenekapaya, Moulakapaya, 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 Zandelekapaya, Zakapa, Shananakapa. Priez. Ne chasse pas les démons. Établis ta victoire. Établis ta victoire. Établis ta victoire. Établis ta victoire. Maïka Poshkate. Hey! 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 Plus tu donnes les meilleurs des amens, plus la victoire prend la forme à ton problème. Si tu avais un problème d'emploi, si tu me donnes un amen, Dieu peut t'engager aujourd'hui avant 15h. Ton amen n'est pas arrivé à l'hôtel. Je suis dans la chambre des décrets et des lois. Je libère cette parole. Parce qu'ils avaient la présence de Dieu lorsqu'ils ont mis les pieds dans l'eau du Jourdain. La Bible déclare, l'eau a commencé à reculer. Je prophétise que celui qui me donne le meilleur des amens, je prophétise que celui qui me donne le plus grand amen, devant le problème qui était devant toi, cela commence à reculer ce matin. Il y a l'esprit de la victoire dans la maison. Hey! 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 Pano lo kasha. Rakanye. Continue à prier, battez les mains. Elia, Elia,
délire. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, Elia, Elia. Ah, Elia, Elia, Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ma coupe déborde. Elia, 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 oh Elia, 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 oh Elia, 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 Elia. Toi la gloire pour les siècles des siècles. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Thomas Robert est encore ma beaucoup. Amen. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton voisin, celui de gauche et de droite? Robert Sambote, l'un des voisins peut m'aider. Non, c'est lui. Bienvenue dans la maison de ton père. Je vous salue, madame, l'un des voisins. Tu peux changer 2, 3, 4, 5. Généralement, c'est du fond, ne viennent jamais devant. C'est du devant, ne vont jamais au fond. Est-ce qu'on peut faire cet exercice-là? C'est du devant, peuvent aller au fond pour saluer. Levez-vous. Salut ton voisin, salut, salut, c'est la maison de Dieu. Est-ce qu'on peut m'aider avec mon retour ici, s'il vous plaît? Salut ton voisin. Vas-y, allez, déplacez-vous, je n'ai pas Tambola. Vu. Tambola, Pesambote. Tambola, Pensa. On doit se saluer. Topesanambote. On doit se saluer. Tambola, Pesambote. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Salut, salut, déplace-toi. Tambola, Pesambote. Salut, salut, déplace-toi. Tambola, Pesambote. Bon, maintenant, c'est d'ici. Est-ce que vous pouvez aller là-bas? C'est de là-bas. Vous pouvez aller. Pesambote. Salut, salut. Pourquoi tu restais statique comme ça? Yo tigal ekeko boili kamunin. Bokilo a Yesu azate awa. Tamola. Ici, je n'ai pas vu les gens sortir là-bas. Chorale, est-ce que vous pouvez saluer les gens? Tambola. Demandez comment était la semaine. Comment était le travail? Il y a des gens que je vois assis là-bas. Pourquoi vous n'êtes pas debout? Sois dans la joie, souris. Tambola, là-bas, il y a un groupe de gens là-bas, devant. Vous êtes. Allez, déplacez-vous, déplacez-vous. Tambola. Nous sommes une famille. Tozali Bota. Nous sommes une communauté. Saluez, saluez, saluez. Atama kolezo salo passe tambola kosila. Peut-être qu'il y a un pasteur que tu n'as jamais salué, mais que tu l'apprécies de loin. Je t'en,
Je te donne l'autorisation de venir saluer le prophète Gracien. Je te donne la permission d'aller saluer maman Dani. Vas-y. Allez saluer maman Béa. On est ensemble. C'est une famille. Oh, souriez. Pourquoi tu es assis, frère? Oh là là. Il y a des gens qui sont timides. Il faut aller les chercher dans leur timidité. Allez les chercher. On a dit sur qu'il est. Sur qu'il est, saluez les gens. Saluez les gens. Ne restez pas timides. Tu peux faire un yambi. Fais un yambi. Mais avec les bonnes intentions, fais un yambi. Fais un yambi. Je n'ai pas vu des gens faire les yambi. Fais un yambi. Ah, ce n'est pas un problème, on fait les yambi. Et ça, dans mon ethnie, on dit yayo, yayo, yayo. Hein? Est-ce qu'on peut faire les yayo, les yambi? Amen. Amen. Maintenant, reste là où tu es. Ne bouge pas. Là où tu es, reste là. Lève-toi. Il y a des gens qui sont assis. S'il vous plaît, tiens-toi debout, même ceux qui sont en train de me suivre. Maintenant, lève tes yeux vers le ciel. Et fais comme ça. Bon, il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Lorsque tu regardes le ciel, tu ne regardes que Dieu, tu regardes la personne du Saint-Esprit et tu le fais ce matin. Ah, j'ai entendu quelqu'un dire joli. Quelqu'un peut faire joli. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit ce matin? Je suis dans la... Est-ce qu'on peut le faire bien pour le Saint-Esprit? Tout passera, mais Dieu et sa parole ne passeront jamais. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Est-ce que tu peux t'asseoir là où tu es? Alléluia. Je suis dans la joie d'être devant vous ce matin. Je dis merci au Saint-Esprit pour le souffle de vie. Et je dis merci. Et vous allez vraiment m'aider ce matin à acclamer et à honorer l'onction qui repose sur la vie de notre Père spirituel. Amen. Un homme formidable. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de notre père, le prophète Joël Francis Tatou Mundala? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Nous voulons aussi par là apprécier l'onction et la vie de notre maman, maman Simeon Tatou. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Merci de vous asseoir. C'est une grâce et une opportunité d'avoir des parents spirituels qui vous font confiance et qui sont là pour vous. Depuis la semaine, au milieu de la semaine, ils étaient obligés de partir sur Paris malgré beaucoup de pincements de cœur. Mais bon, on comprend et l'œuvre de Dieu est prioritaire. Nous voulons de leur part vous dire qu'ils nous aiment beaucoup. Et ils sont arrivés à Paris, ils vont travailler pendant cette période à l'église de Paris. Et nous avons beaucoup de bonnes nouvelles qui viennent de ce côté là-bas. Et
Très bientôt, l'église va déménager pour avoir un grand local. Ils sont en train de faire un travail exceptionnel là-bas. Et nous portons cela en prière parce que nous savons que Dieu est avec cette œuvre. Amen. Merci beaucoup. Ce matin, et depuis hier, depuis que je prêche, je n'ai jamais eu beaucoup de questions sur le thème. J'ai un de fils de prophète qui est là, le révérend Jules Joseph. Il vient de Lubumbashi. Il était à la porte de Sion avec nous, avec sa femme aussi qui était à la chorale. Est-ce que nous pouvons apprécier leur présence, les saluer? Ça, ce sont les combattants du prophète Joël. Merci beaucoup de votre présence. Merci de passer à la maison. Vous savez que ici c'est chez vous toujours. Alors donc, on m'a beaucoup posé de questions. Ouais, mais c'est quoi ce thème ici? Oh, maman, quelqu'un m'a fait rire même hier. Mon tomo, c'est Xinga Talobi. Il dit, mais oh, ils ont 24 heures chrono, Tony. Ça, c'est 24 heures chrono ou quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, dans tes notes, écrit thème H10.39. Le thème, c'est H10.39. H10.39. Et quelqu'un même est allé prendre la calculette pour essayer de calculer tout ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous allons lire deux textes ce matin. Le premier texte que nous allons lire se trouve dans le livre de Hébreux 10. Le verset 39. Et le second texte que nous allons lire dans le livre de Psaume 73. Ou bien Psaume 73. On a deux textes. Hébreux 10, 39. Donc le H là que tu avais vu dans le thème, c'est Hébreux. Et le 10, c'était le chapitre 10. Et le 39, c'était le verset 39. C'est ça le thème. Alléluia. Acclame bien. Hébreux, chapitre 10. Mm-hmm. Le verset 39. Yes. H 10, 39. Vas-y. La Bible dit ceci. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Hébreux 10, 39. Est-ce que tu peux le répéter encore? Hébreux 10, 39, je répète. Mm-hmm. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mm-hmm, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Je vais lire pour nous Psaume 73 à partir du premier verset, ça va jusqu'à 28. Je vais lire et je veux vraiment que tu puisses aussi te mettre à côté de quelqu'un qui a sa Bible. Merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me demande c'est que nous tous nous puissions lire ensemble. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Bon, avoue quand même que depuis la semaine qui a commencé, tu n'as pas lu la Bible. Il y a des uns même depuis janvier, ils n'ont pas lu la Bible. Donc, on va se rattraper nous tous ensemble. Hein? On va lire comme des grandes personnes, des personnes matures, responsables, conscientes de leur Dieu. Donc, je ne suis pas obligé de te dire, augmente le volume de ta voix. Lis à haute voix. Tu sais, quand tu lis à haute voix, tu es en train de briser tous les petits démons qui t'empêchent de comprendre les textes. Amen. Tous les petits démons qui passent tout autour de ta tête, qui tirent tes cheveux,
et qui t'empêche de comprendre ou bien même de supporter la lecture. Tu vois déjà quelqu'un a dit, texte belé belé belé, tout ça. Beaucoup de textes comme ça nous dérangent. Tu es dans la maison de Dieu. Mets-toi à côté de quelqu'un qui a la Bible. Il y a une sœur qui est en face de moi qui me regarde, qui a des lunettes, mais elle n'est pas à côté de quelqu'un qui a la Bible. Merci. Oui, c'est de toi que je parle. On y va ensemble. 1, 2, 3, on y va. Non. On y va tous ensemble. Donnez-moi la vie. 1, 2, 3, on y va. On est quand même des hommes spirituels. 1, 2, 3, on y va. Psaume d'Azaph. Non, attendez. Il y a des gens qui n'arrivent pas à lire. Je vois des gens. Soyez-en sûrs, je vais respecter mon temps. Vous savez, depuis que j'ai fait mes études de master, j'ai compris l'efficacité des Américains. Et les professeurs américains sont très différents des professeurs francophones. Le temps est respecté. Je vous donne ma parole, je vais respecter mon temps. Mais je veux que vous puissiez me donner les meilleurs de vous-même aussi. Donc, Papa Ben aussi va élever la voix ensemble. Nous allons lire pour suivre la cadence. 1, 2, 3, on y va. Psaume d'Azaph. Oui. Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur de méchants. Rien ne le tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier, la violence et les vêtements qui les enveloppent. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent, ils parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. Voici pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Ils avalent l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le trop connaîtra-t-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je vais parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur les voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. En quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par un fin soudain. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leurs images. Lorsque mon cœur s'agissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi, tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon corps peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. 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 Mettez-vous. Torofanda.
J'ai compris très tôt na sosola uta kala que parfois certaines difficultés qu'on peut avoir dans la vie surtout dans la compréhension des textes bibliques émanent du fait que parfois on comprend très mal le français. Amen. J'ai dit on comprend très mal le français. Vous êtes là? Vous allez là-bas? Si vous levez la main, c'est comme si vous me dites avance, pasteur. Avance, pasteur. Je n'ai pas dit que c'est parce que vous avez lu mal la Bible. J'ai dit vous avez mal compris. Parce que parfois les mots peuvent être mal interprétés. C'est pourquoi moi j'ai pris plaisir à avoir plusieurs versions de la Bible. Et jusqu'à ce que je tombe sur la Bible en Lingala. Et parfois, quand j'ai du mal à comprendre un texte, je prends la Bible en Lingala, je lis le verset en Lingala pour que je puisse mieux comprendre. C'est pourquoi ce matin, je suis venu avec ma Bible en Lingala. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas le Lingala, vous serez traduit aussi en français. À un moment donné du culte, le révérend Ben va lire le texte de Hébreux 10, le chapitre... Hébreux 10:39 en Lingala. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, donnez-moi les meilleurs des amen. Amen. Alléluia. Amen. Le texte de psaume que nous venons de lire. Matangi ya banjembo totirutanga. Fait partie des textes de c'est la Bible que j'aime beaucoup. Ne fais pas l'erreur de penser et de croire que le livre de psaume n'a été écrit que par le roi David. Donc quand tu dis par exemple qui a écrit le livre de psaume, c'est David. Oui, mais c'est en partie. Okay? Est-ce que tu es là? Amen. Merci. Ce n'est pas que le roi David qui a écrit certains livres dans le psaume. Il y a un homme qu'on appelle Asaph qui a aussi contribué dans l'écriture de psaume. Et Asaph, c'est un lévite. Asaph a la émoulé, oui. Il fait partie de la tribu qui a été choisie par Dieu pour travailler pour le compte de la maison de Dieu. Et le roi David a nommé Asaph comme étant le responsable de la musique pour le compte du temple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Asaph, c'était aussi un prophète. Asaph. Et il fait partie des hommes qui ont été choisis. Ils étaient à trois, mais Asaph fait partie de ces trois pour qu'ils puissent rendre culte en termes de musique auprès de Dieu. Et je disais tout à l'heure ici, il fait partie des gens qui ont aussi contribué dans le livre des psaumes. Par exemple, le psaume 50 lui est attribué, le psaume 12, le psaume 83, mais aussi le psaume 73 que nous venons de lire ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc Asaph était aussi ami à David parce que vous savez très bien que moi que le roi David c'était un adorateur hors pair, il connaissait les choses de la maison de Dieu. Et donc son ami Asaph aussi était avec lui. C'était des hommes qui ont pris plaisir à adorer Dieu. Ils ont pris plaisir à la parole de Dieu. Ils ont pris plaisir à servir dans la maison de Dieu. Alléluia.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'aussi, Asaph était un ouvrier dans la maison du Seigneur. J'aimerais que tu puisses écrire cela. Note cela. Que Asaph était un ouvrier dans la maison du Seigneur. Asaph était un ouvrier dans la maison du Seigneur. Asaph était un ouvrier dans la maison du Seigneur. Asaph a mis en contribution ses dons, ses talents pour la maison du Seigneur. Asaph, ce n'était pas quelqu'un qui était assis à ne rien faire dans la maison de Dieu. C'était quelqu'un qui était... Il a déployé ses ailes pour l'œuvre du Seigneur. Pour Asaph, adorer Dieu était significatif. Oh Dieu. Amen. Avance, pasteur. Mais il faut savoir une chose. Que la vie d'Asaph ne s'arrêtait pas simplement dans le temple. C'est-à-dire qu'après avoir servi le Seigneur, Asaph était au contact avec l'extérieur. Je veux que tu écrives ça. Avance, pasteur. Asaph était aussi au contact avec l'extérieur. Quand je parle de l'extérieur, il avait des connaissances, il voyait. Ça veut dire que à part la réalité dans la maison de Dieu, Asaph aussi avait une vue, une vision, une perception de la réalité à l'extérieur de la maison de Dieu. Donne-moi un amen bien. Amen. 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 C'est pourquoi lorsque tu es en train de lire, Asaph, dans le chapitre 2 de Psaume 73, parce qu'il était dans la maison de Dieu, parce qu'il était au contact avec l'extérieur, il fait cette déclaration qui me retient ce matin. Il dit: toutefois mon pied allait fléchir. Toutefois mon pied allait fléchir. Toutefois, mon pied allait fléchir. Pourquoi, Asaph, ton pied allait fléchir? Parce que Asaph a remarqué qu'à l'extérieur, il y a des gens qui sont en train de réussir dans le mal. Donne-moi amen. Un amen ce matin. Amen. Avance, pasteur. Il a remarqué qu'il y a des gens qui ne respectent pas Dieu. Il y a des gens qui ne vivent pas dans la justice de Dieu. Il y a des gens qui sont en train de prospérer dans l'injustice. Mais que ceux qui sont dans le temple peuvent avoir des difficultés. Qu'est-ce que tu es en train de dire ce matin? Je suis en train de dire ce matin, l'année est en train de finir. Quelqu'un a remarqué qu'il y a une collègue qui vit dans la prostitution avec le chef. Il a des opportunités pour voyager. Il a des augmentations de salaire. Mais moi, je viens à l'église porte de Dieu. Je suis à Anouka. Je suis à la recharge. Mais on ne me voit pas. Tu as l'impression comme si ton ami là, qui marche dans la fornication, qui marche dans le péché, est en train de réussir sa vie. Merci, pasteur. Tu as l'impression que parce que tu crains Dieu, il y a des opportunités qui te passent. Tu sors à l'église, tu rentres même à pied. Mais ceux qui ne craignent pas Dieu, tu vois comment est-ce qu'ils sont en train d'acheter des véhicules. C'est ce contraste-là qui fait que Asaph se pose la question. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? L'année est en train de finir. On a prophétisé que c'est l'année de l'ascension. Mais moi, je ne suis même pas au premier
niveau. Je suis encore au rez-de-chaussée. Je me pose la question. Et parfois, plusieurs avancent, pasteur. Plusieurs, de manière injuste, renvoient la responsabilité au berger. Même si vous ne le dites pas, mais on peut voir dans vos yeux, parce que tu as échoué, parce que ça n'avance pas, c'est la faute de la porte des cieux. Parfois certains d'entre nous se posent la question, est-ce que vraiment le prophète est pris pour moi? Ça c'est vrai. Avance, pasteur. Les uns sont en train de se marier. Mais toi, tu n'as même pas l'argent pour acheter l'allumette. Yo, attaque son ma fofolo. Osala ma coquille. Tu sers Dieu avec crainte et tremblement. Mais les fins du mois, c'est difficile. Mais les hommes qui ne respectent pas Dieu ont des partenaires qui arrondissent leur fin du mois. Entre nous, qui ne veut pas vivre dans la facilité? Je te pose la question. Entre un immeuble, hein? Dans, bon, je ne vais pas citer le nom des quartiers pour que les gens ne se sentent pas touchés. Mais entre un immeuble dans un banlieue. Un immeuble sur le boulevard Tchatchi, tu choisis quoi? Répondez ce matin. Amen. Répondez ce matin. Yano là. Je suis en train de finir ma prédication. Je vous avais dit que je suis de l'école américaine. Je vais respecter le temps. L'année est en train de finir. C'est le moment de faire le bilan. Et quand tu fais le bilan, c'est négatif. Tu pries, tu gênes. Mais ailleurs, tu vois comment est-ce que les partenaires achètent des maisons pour l'église. Tu vois comment est-ce que les fils des autres hommes de Dieu, au nom de leur père, offrent des cadeaux. Mais lorsque tu te projettes toi-même, tu vois comment est-ce que tu as des difficultés. Et tu as l'impression comme si les méchants sont en train de prospérer. Je vais te dire, dans la vie, il y a des lunettes. Écris ça. Dans la vie, il y a des jumelles. Écris ça. J'ai même envie de dire comme on dit à Lingala. Dans la vie, il y a des majumelles. Il y a des majumelles. Pasteur Jonathan, lorsque tu bases ta vie uniquement par rapport aux perceptions de la réalité de l'extérieur, ça c'est vrai, tu as une vision qui est limitée. Lorsque tu continues dans le livre de Psaume 73, Asaph est en train de dire quelque chose d'extraordinaire. Il dit jusqu'à ce que je puisse pénétrer dans le sanctuaire. Je me pose la question au prophète David. Quand il avait la réalité de l'extérieur, quand il comparait par rapport à son service dans la maison de Dieu, Asaph n'était pas dans le sanctuaire. J'aimerais dire à quelqu'un, venir à l'église ne fait pas de toi quelqu'un qui entre dans le sanctuaire de Dieu. Ça c'est vrai. Parce que quand Asaph s'est beaucoup posé des questions, il a beaucoup réfléchi. Mais qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi cette relation ne marche pas? Je
tout donné. J'ai donné des cadeaux. Je pensais qu'il allait m'épouser. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Et tu vois quelqu'un dire, je ne veux plus venir prier. C'est parce que tu regardes la vie avec les majimels de l'extérieur. Qu'est-ce que tu es en train de dire, pasteur Daniel, ce matin? Ça ne va pas pour toi. Je suis d'accord. Tu as échoué. Je peux l'admettre. Mais Kasi, montre-moi les lunettes avec lesquelles tu as eu cette réalité. Kasi, tali sanga matala tali nini otali makambo yango. Yeah. Yeah. Montre-moi la réalité. Tali sanga ma oyo so montre-moi la réalité. Tali sanga oyo so mona. Qui t'a permis de voir cette chose-là? Oyo epeso nzelo mona makambo no lenge wana. Asaf dit. Asaf alobi. Ils sont en train d'accroître. Tu veux faire la campagne? Tu n'as pas l'argent. Tu veux investir? Tu n'as pas les gens qui t'aident. Mais tu es en face d'un ami, d'une connaissance. Lui, il vole même l'argent de l'État. Tu sais qu'il vole. Mais il est en train de construire. Tu as l'impression comme si vivre dans la sanctification n'est rien. C'est pourquoi les prières des gens, les prières du style, quand quelqu'un prie comme ça, comprend directement qu'il est en train de regarder la vie avec les majimels de l'extérieur. Quand mon Dieu, Seigneur, tu ne me vois pas. Ce sont les tasomona, bon moi, il n'a pas zimelé à l'ibanda. Zambé, j'ai gardé ma virginité pour toi, mais pourquoi tu as permis que cet homme-là puisse me quitter? Zambé, tu es en train de regarder la vie avec les majimels de l'extérieur. Quand tu te réveilles le matin, les enfants sont là. Ils n'ont pas de nourriture. Il n'y a pas l'argent de transport. Mais tu as prié toute la nuit. Les anges sont venus même. Les anges sont venus même. Tu as reçu un ainsi dit l'Éternel. Mais après avoir prié le matin, les enfants viennent. Papa, l'argent de transport. Et tu n'as rien. C'est pourquoi il dit dans le chapitre 14. Je suis frappé tous les matins, mon châtiment est là. C'est-à-dire quand tu te réveilles, tu réalises que tu habites dans une maison que tu n'aimes pas. Tu réalises que tu es dans une pauvreté. Tu réalises que tu n'as pas de nourriture. Tu réalises que tu n'as pas pu projeter cette activité-là parce que tu n'as pas d'argent. J'aimerais dire à quelqu'un, ceux de l'extérieur sont d'une autre race. Ça c'est vrai. Et ceux de l'intérieur sont d'une autre race. Avance, pasteur. Mon Dieu. Avance, pasteur. C'est pourquoi dans le verset 15 il dit, si je disais, je vais parler comme eux, voici je trahirai la race de tes enfants. Ça c'est vrai. Si je me dis que je ne vais plus aller à l'église. Dans cette situation-là, je suis frustré. Si je me dis de ne plus aller à l'église, je vais trahir la race de tes intercesseurs. Il y a des races et des races. Moi, je suis de la race des intercesseurs. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je suis de la race des intercesseurs. Je ne suis pas de la race des influenceurs. My God, my God, my God, my God. Je ne suis pas de la race des TikTokers. Je suis de la race de ceux qui, même s'ils ne mangent pas, les genoux doivent être à terre. Même s'ils mangent, les genoux doivent être à terre. Même s'ils réussissent, les genoux doivent être à terre. Maman Doudou, tu es de la race de ceux qui sont, ont été envoyés pour que les mains soient toujours en l'air. Ça, c'est vrai. Ezali Kambouya race. C'est un problème de race. Ezali Kambouya race. C'est un problème de race. Je ne peux pas me marier avec une femme pour avoir le visa. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas de ma race. Merci, pasteur. Au toucher point. Avance, pasteur. Ça n'avance pas. Tu vas créer des situations
Tu veux même aller en Europe, mais en passant par l'Algérie, en entrant au Maroc, en traversant la mer. Je ne suis pas de la race des gens qui vont aller en Europe à pied. Jamais. Aïe, aïe, aïe. Amen. Aïe, aïe, aïe. Tu n'as pas compris. Avance, pasteur. Tu n'as pas compris. Au sosso linga été. Tu n'as pas compris. Au sosso linga été. Tu n'as pas compris. Au sosso linga été. Est-ce que tu sais que le président de la République peut aller en Europe à partir de Ndolo? Oui, mais tu m'as conseillé pour que tu n'aies pas tout. Car on a maté le peuple en Ndolo. À Kinshasa, il y a des aéroports. À Kinshasa, tu as un aéroport. L'aéroport international de Njili. Oh, Njili. Et l'aéroport national de Ndolo. Peu oh, Ndolo. Maintenant, tu sais. Oh, il est bien. Que le président Fati. Mon conseil, monsieur Fati. Ou bien la distinguée première dame. Toi, moi, si mon conseil. Ou bien une race de hauts fonctionnaires. Toi, dans le lien, mon boya batu bazar. Peuvent prendre l'avion en Ndolo et partir en Europe. À cause de peu pour qu'en Ndolo à Kepe Poto. Avance, pasteur. Les responsables de l'année, les responsables de la DGM, les chefs d'état-major, chef d'état-major, ou bien je ne sais pas moi, le procureur général de la République, ils sont congolais comme nous, mais ils ne sont pas congolais comme nous. Il y a des gens par rapport à leur travail, on peut envoyer un jet descendre à Ndolo et le prendre, il part directement à Paris. Maintenant la vie va te pousser à te moquer de celui qui part en Europe en partant vers Ndolo et en acceptant que celui qui part en Europe, il part vers Massina. Si tu dis, tu voyages quel jour? Non, je voyage aujourd'hui. Je pars en Europe, mais je vais prendre mon avion en Ndolo. Ndolo va vivre à Potezara. Papa. Ndolo, ça va vivre à Potezara. Il y a Martadi, il y a Baboma, il y a Baba Sankoussou. Soko Nyo Kende, Poto. Tu dois monter par Njili parce que c'est là-bas et Air France descend. Tout le monde ne réussit pas dans la vie sur base des mêmes critères. Ça, c'est vrai. Oh Dieu. Avant, oh pasteur. Dieu. Ça, c'est oh vrai. Dieu. Quel message. Oh Dieu. Le verset 17. Je vous ai dit. Il y a les majimels. Je parle de majimels. Il y a des jimels. Et ça là-bas zoomelé. De l'extérieur. Il y a l'ibanda. Et il y a des jimels. Et ça là-bas zoomelé. De l'intérieur. Il y a Kati. Le verset 17. Natata là on a zoomé dans Sambo. Jusqu'à ce que Jésus pénétrait dans le sanctuaire de Dieu. Qui n'a côté n'a Kati n'a émananza. Et que Jésus prit garde au sort final des méchants. Il existe un sort final. Amen. En fait, je t'explique. Un film d'une heure du temps. Ce n'est pas parce que tu as regardé dans les 10 premières minutes et tu as fui une vie belle, une fille belle à l'intérieur. Que tu as vu une fille belle. Dans les 10 premières minutes, que ça sera la femme la plus belle jusqu'à la fin du film. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. En fait, les jumelles du sanctuaire te permet de voir la fin et non te concentrer au début. C'est pourquoi la Bible déclare à celui qui vaincra, on remettra une couronne. La couronne est donnée par rapport à la ligne d'arrivée. La couronne n'est jamais donnée par rapport à la ligne de départ. J'entends quelqu'un dire dans mon oreille, je réussirai avec Dieu. Je réussirai avec Dieu. Ton amen n'est pas arrivé là où je suis. Amen. Ton amen n'est pas arrivé là où je suis. Amen. Musicien, tu es en train de voir comment les autres sont en train de décoller. Tu as l'impression comme si tes chansons sont en train d'être étouffées à la porte des cieux. C'est parce que tu regardes la vie avec les lunettes de l'extérieur. Mais si tu entres dans le sanctuaire et que tu vois que les années qui arrivent, my God, my God, my God, my God, my God, my God, my God.
Tu iras dans le monde. On t'enverra des avions pour venir rendre ministère. Tu vas applaudir ce que tu vois. Mais tu vas garder ta bande. Parce que la vie ne se mesure pas par rapport à ce qu'on voit au début. Mais la vie se mesure par rapport à ce qu'on voit à la fin. Hébreux 10:39. Version Lingala. Na Lingala. Non, je veux le lire. Hébreux 10:39. Mais je vais prendre le verset 35. Na rozwana nzela nango ya pour chuter au verset 39. Écoute ce que la Bible dit. Tu vas m'interpréter, papa. Si koyo botiaka kamolende po yango moto ekozela bino lifuta moko ya monene. Le verset combien? Verset 35. Si koyo botiaka kamolende po yango moto ekozela bino lifuta moko ya monene. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Dis à ton voisin ozana lifuta monene zozela yo. Oh, dis à ton voisin ozana lifuta monene zozela yo. Ozana lifuta monene zozela. Dis à ton voisin kosambela osambelaka. Kosambela osambelaka. Kobanga nzambe ndengo zobanga nzambe. Kobanga nzambe zobanga nzambe. Chaka ka molende. Ozana lifuta moko ya monene zozela yo. Ozana lifuta ya monene zozela yo. Je dis à quelqu'un. À la fin de cette année. Na suka mabuo. Tu as tendance à fléchir. Osalo ko faire marche arrière. Osonga sima. Non 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 non. Le thème de ce matin. H 10:39. Fais simplement dire ce que je simbate, ce que je monate, chaka kamolende, chaka kamolende, l'itombe monene za liboso. Il y a une grande rémunération. Mais est-ce que tu es en train de comprendre ça? Il y a un grand prix pour ta famille. L'itombe monene za lipo na bana na yo. L'itombe monene za lipo na musala na yo. Rémunération pour ton Dieu. Amen. Verset 36. Bobele soki bokangami, bokangami, bokangami tema, ne bokoko kisama kambunzambe alingi. Car vous avez besoin de persévérance enfin, qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce que vous est promis. Bobele soki bokangakami tema, ndebokoko kisa makambo nzambe ali frère ndeko pour faire ce que Dieu veut pour on sala nzamba lingi. Il ne suffit pas simplement de la prière esaka lo sambo te. Il suffit aussi de kokanga motema. Il suffit aussi d'être persévérant. Il suffit aussi de kokanga motema, d'être persévérant. Et je simbate na kangi motema. Ça ne marche pas. Et je suis passé dans Kangi Motema. Ça ne marche pas. Ce que je joue, n'a pas prié, n'a pas prié. Si c'est mon jour de prière. Ce que je joue, n'a pas congéné, n'a pas congéné. Si c'est mon jour de gêner, je veux gêner. Na Kangi Motema. Je persévère. Dis à ton voisin, Kanga Motema, na Kolo. Kanga Motema. Ozolo va bien te dire à ton voisin, Kanga Motema, Kanga Motema. Kanga Motema, persévère. Dis à ton voisin, prophète, Kanga Motema, pasteur, Kanga Motema, évangéliste, Kanga Motema. Persévère. Je dis à quelqu'un qui veut faire marche arrière. Kanga motema. Persévère. Oh, bah, monsieur, sous balier, bisous, ton lié, t'es kanga motema. Laissez-vous manger, nous, on ne voyage pas. Bah, voyager, bisous, ton voyage, t'es kanga motema. Nous, on ne voyage pas. Je pensais que je parle à quelqu'un ce matin. H10:39. H10:39. Kanga motema. Persévère. Kanga motema. Persévère. Kanga motema. Persévère. Kanga motema. Ça, c'est vrai. Attends, Moukili Balobi. Les hommes de ce monde ont dit, tu manqueras l'éléphant à cause du grillon. Kanga motema. Kanga motema. Kanga motema. Joseph.
Joseph. Joseph. Soko kangi moté maté. Si tu ne persévères pas. Oko koufe la gaga moi si à garde républicaine. Tu ne restes figé que sur la femme du républicain. Mais soko kangi moté ma. Mais si tu persévères. Na mariage na yo pharaon akoya. Dans ton mariage le pharaon viendra. O pessing amen à bien. Tu ne m'as pas donné un bon amen. O pessing amen à bien. Amen. O pessing amen à bien. Amen. Soko kangi moté ma Joseph. Tu persévères Joseph. Na mariage na yo. À ton mariage. Pharaon akoya. Le pharaon viendra. Mais soko kangi moté ma tête. Si tu ne persévères. Na mariage na yo. Dans ton mariage. Karaba ta garde républicaine bagoya. Juste le gens de la garde républicaine. La garde à Potiphar. Le garde de Potiphar. Bagoya roboma opamba. Va venir te tuer pour rien. Kanga moté ma. Persévère. Persévère. Nous sommes une génération de gens. Oui, il faut avoir des ambitions. Oui, il faut avoir un projet. Mais ne vis pas dans l'envie. Colou la bangote. Amen. Pas parce que Bazo sala affiche. Pas parce que Bazo sala programme. Parce qu'ils font des programmes. Bazo créer bango ba programme la bango mususu. Créer leur programme. Yo pour l'union créer programme. Si tu veux créer ton programme à toi. Kanga motema. Persévère. J'ai dit à quelqu'un. Aligné banda ministre naie. Il veut commencer son ministre. Kanga motema. Persévère. Kanga motema. Persévère. Kanga motema. Persévère. Je parle sous l'onction pastorale. Kanga motema. Persévère. Tu veux laisser cet homme là. Parce que tu penses qu'il n'a rien. Kanga motema. Persévère avec lui. Kanga motema. Persévère. Alingala on dit. Ceux qui se sont précipités au manqué. Kanga motema. Kanga motema. Persévère. Salabakapaya. Avance, pasteur. Verset 7. 37. Pambate. Et comment maboye. Et tikali moke. Kutu moke penza moto oyo asengeli koya aya. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Akou melate. Et il ne tardera pas. Prophète Kainos, Jésus est en train d'arriver. Yesu azoya. Akou melate. Il ne tardera pas. Azakoya. Il revient. J'ai aimé la prédication du Père le dimanche passé. Na se penalité à Jésus. Yesu. Jésus. Yesu. Jésus. Yesu. Jésus le matin. Jésus à midi. Jésus. 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 Azakoya, Jésus. Il revient. Celui qui doit venir, c'est Jésus. Oh, Seigneur, Yesa, Yesu. Oh. Maintenant, écoute le verset 38. Bongo. Quelqu'un me dit, Bible a l'ingala kitoko. Bongo. Moto nangai oyo akomi bosembo pona bondimi akobika kasi soki azongi sima na kosepela na yete. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Tu vois, mon âme ne prend pas plaisir en lui. En français, tu as l'impression comme si Dieu te tolère. Oh mon roi Nzambe, andimi gabon. Mon âme ne prend plus plaisir à lui. Oh, Dieu va parler en français. Parce qu'on veut qu'il y ait l'ingal. Nako sepela na yete. Frère, Nzamba sepela na yote. Dieu ne prend pas plaisir en toi. Nzamba sepela na yote. Que Dieu ne prend pas plaisir et en toi. Et ça n'a place où le batou Nzamba sepela raté basalaka. Il y a un endroit où les gens que Dieu n'agrée pas s'y retrouvent. On l'ignore à la place où batou Nzamba sepela raté basali. Tu veux te retrouver dans l'endroit où les gens que Dieu n'agrée pas se retrouvent. Et le verset 39. Le H 10 39 maintenant. Bisso. Tozali batu yakozonga simate. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Nabala nabala te nakozonga simate. Que je me marie ou pas, je ne me retirerai pas. Ton amen n'est pas arrivé là où je suis. Amen. Non. Est-ce que vous pensez célibataire en zone joie? Nalia te na kozonga simate. Que je mange ou pas, je ne me retirerai pas. Exaucer ma samba. On ne peut pas faire marche arrière. Tu kozonga simate. Je parle à tous les intercesseurs. Il est hors de question de faire marche arrière. My God, my God, my God. Avance, pasteur.
Il est interdit de faire marche arrière. Na âge oyo. À cet âge. Après avoir servi le Seigneur. Na sima rosela nza. Na zonga la souba whisky. Que je retourne encore à boire. Na zonga la souba vin. À boire encore du vin. Na zonga la souba hôtel. À retourner encore. Na kozonga simate. Je le mériterai, je le retournerai pas. Je vois quelqu'un s'élever dit na kozonga simate. Na kozonga simate. Na moni muta tele bi na kozonga simate. Na kozonga simate jamais. Na ajo. Na ajo. À cet âge, na qui m'a sur l'église? Que je fouille encore l'église. My God, l'esprit du Seigneur est sur moi. Moli mon encore les alcools. My God, my God, my God, my God, my God. Na ajo yo. À cet âge, na qui m'a sur l'église? Mon bate l'impate kembolo. Na ajo yo. À cet âge, na changé le super spirituel. Que je change encore de père spirituel. Ah! Tu m'as pas entendu. Ok, madame. Tu m'as pas entendu. Okay. À cet âge, n'a changé sous daddy. Que je change encore de daddy. N'a âge. À cet âge, n'a âge. N'a âge. À cet âge. Bah mon on a concert à Inospi, n'a âge. Quand on te voit dans les concerts d'Inospi, à cet âge. Non, jamais. N'a âge. À cet âge. On a sous Golou, n'a âge. Na ajo yo, na ajo yo. À cet âge. Oza sou warrior, na ajo. Warrior, warrior. Oh mon bate li bate warrior. Koloa. Non. Na ajo yo. Na ajo ba sente yo li sous, na ajo. À cet âge qu'on t'embosse. Non. Na ajo yo, na ajo yo. À cet âge. O sente li sous, na ajo. Que tu engrosses une fille. Non. Non. Chakapaya. Avance pasteur Kembo. Na joyo. Na joyo. À cet âge. Na joyo. Na tika osambela na joyo. Que j'arrête de servir de prier. À cet âge. Na joyo maman, maman. À cet âge. Maman na joyo. À cet âge. Na joyo. Na tika osambela na joyo. Que j'arrête de prier. Na tika obanga nzambe na joyo. Que j'arrête de craindre mon Dieu à cet âge. C'est à cet âge Jésus que tu deviens fidèle. À cet âge. Na mbula na c'est à cet âge. Après autant de vie dans le ministère. Dans le Seigneur. Que tu trompes ta femme. Hein? C'est à cet âge. C'est à cet âge. Que lorsque tu sors. Personne ne sait là où tu es. Tu reviens demain, le lendemain à 14h. Et tu n'as même pas donné d'explication. À cet âge. Nage. Najoyo. Avance, pasteur. Najoyo. Oko ma deuxième bureau, yom to sala nuka najo. Que tu deviens la deuxième bureau d'un homme. Que Dieu bénisse sa parole. Zamba pa mo le balaye. Merci mon bâtiment pas tant que bon. Est-ce qu'on peut ovationner le Seigneur? Toko kiko tombo la kolo. Na ajoyo. À cet âge. Na ajoyo ba sente yo. À cet âge qu'on t'enrose. Na ajoyo yo kenaka lisusu na hôtel. À cet âge tu pars encore à l'hôtel. Na ajoyo yiba. À cet âge tu voles encore. Na ajoyo que de kotala ganga. À cet âge tu vas chez le féticheur. Na ajoyo. À cet âge. Waouh, quel message! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais pas célibataire, bah kobala kaka. Ça c'est vrai. Hein? Les célibataires vont se marier. Ah, en tout cas, les célibataires, vous allez vous marier. On ne va pas rentrer en arrière, mais vous allez vous marier. Pour ça, là, vraiment, Daddy a déjà dit, vous allez vous marier. Ne profitez pas de la prédication pour dire que vous n'allez pas vous marier. Ça, c'est vrai. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quelle onction ce matin! Alléluia! Ça fait du bien. Amen. Quelle onction ce matin! Quelle onction ce matin! Waouh! Qui a été béni ce matin?
Wow. Wow. Bon, l'Américain a dépassé un peu. De 5 minutes, on va apporter une offrande pour cette parole puissante que nous avons écoutée, pour bénir celui que nous a prêché ce matin. Quelle gloire ce matin depuis le début du culte. Waouh. Est-ce qu'on peut apporter les paniers des offrandes? Nous allons offrir à Dieu s'aimer dans la vie de l'homme de Dieu que nous a prêché ce matin. Et ceux qui sont venus en retard, vous allez aussi préparer vos offrandes. On va faire vite pour pouvoir partir. Je sais qu'il pleut. Ceux qui ont aussi leur dîme et leurs actions de grâce vont aussi se préparer. On va commencer par les offrandes de celui qui nous a prêché ce matin. Vous pouvez amener dans la joie. Apportez dans ce panier qui sont devant vous. Que Dieu bénisse chaque main. Que Dieu bénisse son serviteur. Pasteur Daniel. L'homme de point de prière. Il nous a amené dans une autre dimension ce matin. H10:39. Persévère. Ne rentre pas en arrière. Que Dieu bénisse chaque personne qui apporte. Que vous ne manquez de rien. Que vous ne manquez de rien. Soyez bénis. Ceux qui sont connectés aussi, il y a le code QR. Il y a PayPal. PayPal. Il y a Airtel Money, Orange Money, M-Pesa. Vous pouvez aussi apporter votre offrande du prophète. Ceux qui sont connectés en retard, ils peuvent aussi apporter leurs offrandes. Que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. On peut apporter les paniers pour les offrandes du jour pour ceux qui sont arrivés en retard. On veut le faire vite. Pour ceux qui sont arrivés après le moment des offrandes, vous pouvez apporter rapidement vos offrandes et ceux qui doivent donner leur dîme ou qui ont préparé leur dîme peuvent déjà avancer, prendre les enveloppes ainsi que les actions de grâce. Merci. Offrande du jour dans le panier. Libonza.